Eh bien salut à tous les potes, c'est Théosigno et bienvenue sur ma chaîne. Le RC Lens va accueillir le latéral gauche de Toulouse, Deiver Machado, contre 1,5 million d'euros. Après avoir réalisé une bonne saison avec le TFC, il va découvrir la Ligue 1 ici dans l'Artois. Est-ce une bonne opération pour nous? Je vous ferai la présentation du joueur. Ensuite, j'aborderai son impact sur le groupe. Et enfin, comme d'habitude, la conclusion. Deiver Machado est un arrière-gauche colombien de 27 ans, mesurant 1m72. Ayant effectué la majorité de sa carrière jusque-là en Colombie, il a tenté de se mesurer au football européen en 2017, et ce, pendant 3 ans à La Gantoise. Une expérience plutôt ratée pour lui, en Belgique avec seulement 15 matchs en 3 ans, dont une saison pendant laquelle il s'est fait prêter en Colombie pour tenter de rebondir. On peut également relever qu'il est passé par Millonarios, club ami du Racing, grâce à Joseph Ugrolian, et c'est à Toulouse la saison dernière qu'il s'est imposé en disputant 35 matchs pour 2 buts et 5 passes décisives, finissant même dans le 11 type de la Ligue 2. Il a donc brillé l'année dernière, s'illustrant premièrement de par ses qualités athlétiques. Il arrive à bien enchaîner les courses sur son côté, aussi bien offensivement que défensivement. D'ailleurs, il adore se projeter en attaque et ça se voit qu'il préfère plutôt attaquer que défendre. J'anticipe déjà un peu ma seconde partie, mais par exemple, je l'ai comparé à Massadio Aïdara. Sur un nombre de matchs similaire, il fournit un nombre de centres beaucoup plus important que le Malien, c'est même le triple. En revanche, niveau interception, ça se voit un peu plus, donc un profil beaucoup plus offensif. Comme tous les Sud-Américains, il est muni de cette grinta naturelle qui lui apporte une solidité au duel. Il se bat avec courage sur le terrain et est un vrai bon soldat. À cela s'ajoute aussi son expérience internationale, ce qui reste certes faible, avec 3 sélections plus 6 aux Jeux Olympiques. Un joueur qui était au-dessus du niveau moyen de Ligue 2, mais peut-il s'imposer en Ligue 1 ? Il va débarquer dans un groupe qui connaît sa 4e recrue depuis le début du mercato. Toutes les vidéos sur les joueurs sont disponibles, hormis Mamadou Camara. Ce qui est bien, c'est qu'avec Toulouse, il a joué tout au long de la saison dernière en piston dans un 3-5-2, soit le même système que le nôtre, et donc pas trop de surprises pour lui. Cela devrait nous offrir une certaine garantie de réussite. Maintenant, il y aura une concurrence entre 3 pistons gauches, Massadio Aïdara, Ismaël Bourra et Deiver Machado. Avec ce recrutement, on a pu diversifier les profils avec un Aïdara plus défensif et à l'inverse un Machado plus offensif. Maintenant, il faut aussi s'intéresser au rôle de Bourra qui devrait avoir théoriquement 2 pistons au-dessus de lui, ce qui le condamne à très peu de temps de jeu. Malgré les blessures et les suspensions, ça reste faible pour un jeune en cours de progression. Il y aura tout de même la CAN au mois de janvier, donc un potentiel départ de Massadio Aïdara. Donc j'ai envie de dire 3 pistons, c'est ce qu'il faut cette année. Alors l'opération se conclut sur un montant de 1,5 million. Fait-on le bon coup niveau financier? Sans aucun doute, car l'avoir à 2 millions d'euros, c'était le minimum. Les supporters toulousains sont aussi un peu déçus de ce montant, estimant qu'il valait plus. D'autant plus que c'était un poste que l'on voulait. Florent Gisolfi avait clairement annoncé qu'il recherchait un latéral gauche. Et forcément, on est obligé de livrer un comparatif avec Birger Meling. On s'y intéressait, mais ce qui a fait finalement que l'on s'est orienté vers Matcha, c'est la somme d'argent que réclamait Nîmes, qui était assez conséquente. Alors certes, en niveau pur, à mon avis, Meling, ça reste au-dessus de Machado, mais le rapport qualité-prix reste plus intéressant avec le Colombien. Dans le vestiaire, ça fera un Toulousain de plus, mais également un Sud-Américain qui devrait bien s'entendre avec Facundo Medina et Wilker Fariñez. Peut-être une volonté de la direction d'ajouter un noyau Sud-Américain au club, des joueurs avec une combativité naturelle et une personnalité généreuse, ce qui colle avec la mentalité et l'ADN du Racine. Donc en voilà pour la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du joueur. Moi je vous invite à rejoindre le serveur Discord du RC Lens en description. Ils font du bon taf et rassemblent la communauté sang et or. Moi je vous dis à plus dans une prochaine. C'était Théosigno. Allez, salut et allez Lens.